Bonjour et bienvenue, on est de retour pour la survie du week-end. Nous sommes proches de notre but. Nous sommes au mont Timberwolf. Nous devons prendre une corde, même plusieurs cordes. Et on sera en route pour Blackrock. Donc on va bientôt y arriver. Je vous montrerai par où on doit passer pour le Blackrock. Mont Timberwolf plutôt. On est bon, on est plus ou moins reposé. On a donc normalement on a les crampons de près. Let's go. Donc on a une corde à prendre, on est bon en poids. Nickel, il n'y a pas de problème, pas besoin de manger des petits pains là pour se remettre. C'est où, c'est là. J'ai rien déposé, hein, on est d'accord. On est bon, on a tout. Ouais, c'est parti. Let's go. On va la faire en une fois, on s'arrête pas. Voilà, très bien. Très, très bien. On a, techniquement, on a encore une corde à prendre, je crois bien, si je dis pas de bêtises. On va en profiter. On est en... Non. Elle est pas encore fatiguée, ça va. On va peut-être... Alors, je sais pas si on va passer la nuit au mont Timberwolf ou pas. Parce que de toute façon, si je dis pas de bêtises, on a des grottes à prendre. Donc techniquement, on n'a pas trop besoin de... Genre de se reposer pour éviter de se balader la nuit. Parce que, en théorie, la nuit, il fait plus froid. On va voir. Je veux bien faire une petite escale à notre cabane par contre, pour voir un peu ce qu'il y a. La cabane du mont Timberwolf. Je pense qu'on a pas mal d'objets, parce qu'on avait fait donc l'avion. Techniquement, il faudrait refaire aussi l'avion, le crash, depuis qu'ils ont rajouté tout plein d'objets. Parce que je suis quasiment certain qu'on l'a fait après. Et ce qui est bête, parce qu'on a ouvert, si c'est vrai hein, qu'on l'a fait après, qu'ils aient rajouté genre tout l'huile et tout ça là. Je suis en train de me dire, c'est bête parce qu'on a ouvert toutes les caisses. On a absolument ouvert toutes les caisses. Du coup, on aura aucune chance de trouver des nouvelles choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il faut, il y a des caisses qui peuvent exister avec plein de nourriture, genre de ressources pour faire de la nourriture, ce serait vraiment bien. La meilleure des choses qu'ils auraient pu faire, mais ils l'ont sûrement pas faite, ils ont sûrement pas pensé, c'est rajouter des nouvelles caisses en fait. En gros, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Genre par exemple pour les sacs de patates, par exemple ça c'est bien, parce que du coup c'est des nouveaux sacs en fait et des nouveaux récipients. Mais là je suis certain qu'il n'y a pas ça. Ça serait vraiment bien, genre des caisses que pour la nourriture, vous voyez. Parce que des fois il y a des caisses que pour les vêtements, caisses que pour telle ou telle ressource. Et là, ça aurait été vraiment cool. Mais bon. Mais on y retournera un jour, je pense. Si vraiment c'est nécessaire. Donc en théorie, on devrait aller sur la gauche. Nous, on arrive là. Donc ça, c'est notre cabane. Ça, c'est notre cabane à nous. Et nous, on veut prendre... Bah voilà, ça. On veut prendre ça. Alors, on va peut-être passer la nuit, j'ai envie de dire. Parce que vu que on commence même à être fatigué, je vais sprinter pour me fatiguer un peu plus. Ah oui, il faut faire gaffe parce qu'il peut avoir quand même pas mal de choses ici. Quand je parle de caisse, vous savez de quoi je parle, hein, les gros containers là. La cargaison en fait de l'avion. Ah. Un élan peut-être dans le coin. J'en ai déjà eu un ici. Donc, ça serait pas étonnant. C'était un feu que j'avais fait. Et je crois que c'était pour l'élan que j'avais tué ici, d'en plus.
Ah. Ok. Trace d'élan encore. Après, ça serait vraiment surprenant qu'il soit aussi proche de la cabane, je vais être franc. Il est plutôt là-bas, normalement. On va prendre ça, on va le déposer dans la cabane. Pour faire les sons, ils sont forts, hein, mais pour rajouter des animations... Alors... On a un brouillard en plus. Complètement vide, super. Viande d'élan immangeable. Loup là-bas. C'est quoi ça? C'est un cerf? Une biche? Ok. Ok. Alors, four d'élan séché, très bien. On avait ça aussi. Ouais, par exemple, là, quand on partira, on pourra prendre une boîte à café. Et une boîte de thé à la limite. On pourra faire ça. Fût de flèche, on avait fait plein de fûts de flèche, quoi. Ouais. Culture facile, on l'avait lu. La pêche. Les crampons. Alors. Ça, c'est bien 40 kilos, ça, c'est cool. Ok, rien de très très utile. Ça marche. Ah, si j'avais su, j'aurais pas pris de fusée nautique. Tiens, on aurait pu prendre celle-là. On a des nécessaires de couture. Deux cordes. Ouh, deux cordes! Est-ce qu'on l'a mis la corde ici? Ah, est-ce qu'on a... planter une corde ici maintenant, je suis en train de me dire. Il faudrait du charbon déjà. Ouais, ça pourrait dire qu'on n'a pas mis de corde. Ça, je m'en rappelle pas. Parce que deux cordes, ça fait beaucoup. Hein. Deux cordes au même endroit comme ça, ça fait beaucoup. Ouh là là, tout ce qu'on a. Une loupe. Des allumettes. Comme ça, elles ont le même pourcentage. J'aime bien qu'ils n'ont jamais corrigé exprès. Je me demande si c'est... Non, si c'est moi. Parce que sur le forum de Steam... j'en avais déjà parlé, je l'avais dit ça, que les allumettes c'est vachement bien parce qu'on peut les stacker maintenant, vu quand il y avait ce bug là de pourcentage qui marchait pas. Et je sais que Interland, je crois qu'ils avaient repris mon message, ils ont dit profitez-en tant qu'il y a ce bug. Et après ça a été corrigé genre une ou deux semaines après. Mais les... Je regarde s'il n'y a pas quelque chose en dessous. Mais les allumettes, jamais. Donc je me demande s'ils n'ont pas eu l'idée parce que j'ai dit ça. Enfin, j'en sais rien. Après, je veux pas dire que je sois important ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que c'était la coïncidence était drôle. Alors, on va faire ça. Pas vraiment besoin de se surcharger en flèches.
On va garder par contre la tête. On va peut-être refaire des flèches plus tard. Enfin, quand on sera à Blackrock. Je suis à 45,06. Oui, c'est parce qu'on a beaucoup de... On a beaucoup d'eau, en fait. On va devoir dormir, en fait. Putain, mais ça fait chier. Je suis pas assez fatigué. Désolé, je m'excite un peu, là. Mais ouais, non, je suis pas assez fatigué. C'est embêtant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Chasser? Loup, lapin, biche. Comme ça, on récupère des morceaux de viande, parce qu'apparemment, on n'a rien vraiment devant, devant la cabane. Donc là, ça pourrait aider. Comme ça, on aura juste besoin de faire cuire tout ça. Vraiment mal positionné pour nous. Ok, cool. Ils ont toujours un problème avec ça. Hein. Ça n'a jamais vraiment été très corrigé, en fait, ce bug-là. Incroyable. Incroyable. Man, this pack is getting kind of heavy. Au final, je sais que ce bug en fait avait existé après une mise à jour, comme d'habitude. Hein. Mais moi, je l'avais eu. Genre, je pouvais pas cliquer du tout en fait sur les carcasses. J'avais commencé à l'avoir après une certaine mise à jour et plein de gens se sont plaints, etc., etc., comme d'hab. Et en théorie, il nous a déjà senti. En théorie, ça a été corrigé après. Et moi, je l'ai plus jamais re-eu en fait ce bug. Après, il y a eu encore d'autres mises à jour. Et j'ai l'impression qu'il est un peu revenu. Pas 100% parce que... Parce qu'on arrive à cliquer quand même sur les carcasses. Mais il y a un problème. C'est un peu chier. Putain, il y a deux loups. Ouais, c'est un peu gavant, quoi. Non, enfin, c'est comme ça. C'est pas comme si on était pressé par le temps et que le jeu était dangereux, hein. Le jeu de survie. Elle est pas cassée, elle. Non, elle est pas cassée. Tiens, est-ce que je peux... Est-ce que je peux me faire une flèche? Ok.
Je sais pas trop comment ça a fonctionné, mais ça va. Pour moi, il faisait trop sombre, mais c'est pas grave. Je crois qu'on a un seul steak mangeable devant. D'ours cuit, ok. D'ours cuit, un mangeable. Qu'est-ce qui t'arrive? Oula, calme-toi, calme-toi. Tout va bien. Ok, très bien. Donc j'ai un peu peur d'aller voir si on a vraiment mis une corde ou pas. Je vais être franc. On va y aller. On va y aller sans corde. Mais ouais, j'ai un peu peur qu'on n'ait pas mis de corde en fait. Du brouillard, on pourrait attendre en fait. On a trop de brouillard, on va attendre. Je vais pas me balader dans le brouillard comme ça. Non, je fais pas ça. Alors, nos flèches, tiens, ça, on va la casser directement. Elle est de toute façon à un seul pourcent. Autant faire ça. Attends, il fait... Non, c'est pareil. C'est la même merde. Bon après il fait clair donc on peut distinguer les choses. On tente ou pas? Ouais ça devrait aller là. Ouais ça va, ça va. Du bois. Ah non, mais ça, oui, ce truc-là, c'est quand on déterre en fait les racines. Alors, on va essayer de se mettre plus ou moins contre la paroi gauche en fait de la région. Et après, on monte. Et en théorie, on devrait tomber sur une corde. Si, bien sûr, je l'ai placée. Parce que je ne sais pas si elle est placée automatiquement en fait. Alors après, je crois qu'on peut prendre un autre chemin pour monter. Mais je suis pas certain. On va voir. On va voir. On va voir si c'est nécessaire. Alors là c'est pour repartir, donc nous on passe par là. Ça doit être bon là le chemin. J'essaye de rester concentré encore une fois, un brouillard tout ça, donc je parle beaucoup moins. Faut vraiment écouter. Là on a sûrement une carcasse. Ça c'est peut-être un arbre à gland ça. Ça là.
Ouais, je crois qu'il y en a ici. Cool. Ok. Intéressant. Là, on devrait avoir... Ok, très bien. Faut suivre, en fait, la glace. Le... Ouais, non, oui, la rivière. On pourrait se mettre dessus, mais il y a souvent des ours, des loups, pardon. Donc, du coup, se mettre sur le côté, c'est pas si mal. Là, voilà. Ok, juste à ma gauche. Et on a un ours 3 devant. Évidemment. Évidemment. C'est bien des arbres à gland, ça. Oh là là, on n'est jamais venu là ou quoi? Donne-moi tout ça. Faudrait qu'on lui passe derrière. Je vais attendre qu'il avance un peu plus de ce côté là. Ok, ça devrait être bon. C'est pas mal là cet endroit, 4 bois, arbre à gland. Corde, elle est là. Arbre à gland encore. Super. Y'a pas une grotte. En fait, je voudrais bien dessiner, en fait. Et si je vois ours, ça veut dire grotte, quelque part. Là. Non. Non. Non, peut-être pas. Je sais pas. Je pensais qu'il y avait un endroit pour se mettre à l'abri ici, quand même, mais pas... Ah. Ah oui, d'accord, en fait, il a... Ok, ça marche. Ouais, il y a ça. Ok. C'est pas vraiment une grotte, c'est un abri, quoi. Faudrait que je fasse du feu. Ok, go. Je vais peut-être prendre ouais, le temps de dessiner. Ah, mais attendez. Pff, ah, il fait du brouillard. S'il faut, on va pas pouvoir. En fait. S'il faut, on va même pas pouvoir. Non, si, ça va. Voilà, très bien. Donc voilà, maintenant, on a la corde aussi. Waouh, c'est... Honnêtement, le... On n'a pas dessiné grand-chose, hein. Vraiment pas dessiné. Il fait combien? Ouais, on n'a vraiment pas dessiné grand chose. Si vous vous rappelez aux épisodes où on était au Mont Timberwolf, on avait fait un peu plus ou moins tout le tour comme ça. C'est un peu bizarre en fait que j'ai pas dessiné les corps, parce que j'essaye toujours de dessiner les corps d'entrée-sortie. Toutes les choses comme ça en fait qui sont importantes. Mais apparemment, non. On est à 44-47, très bien. On va prendre encore un peu de bois. Ok. Donc en théorie, côté gauche de moi, on devrait avoir une grotte à un moment. Ça, c'est une grotte qui a été rajoutée quand... Bah, c'est celle-là, je crois. Quand on a eu, du coup, Black Rock, en fait. Oula. Ça va changer le brouillard. Ouais, cette grotte, on l'avait déjà vue, on l'avait déjà trouvée. Ouais, on était déjà venu là. Une torche. Je l'avais déjà sûrement dit en plus que c'était la grotte pour aller à Black Rock.
Ok. Mauvais état, ok, ça c'est de nous du coup. Il va nous falloir de la lumière. Alors, si je me rappelle bien, nous on passe du coup depuis le mont Timberwall. Donc on va être sur le côté droit de Blackrock, parce que nous là on va sur la gauche de, du mont Timberwolf. Je vais être franc, j'étais resté quand même... Hein? What? C'est un cul-de-sac. Ah, c'est par là? D'accord. Ah. J'étais resté quand même pas mal de temps à Blackrock. Donc, une fois que je suis là-bas, je devrais me rappeler, en fait, de, des lieux et tout ça. Je me rappelle qu'on avait fait tout le tour et tout ça. Il y avait pas mal de bâtiments pour se mettre à l'abri. On s'était fait attaquer par des loups gris et ils essayaient de gratter à la porte quand on s'était réfugié dans un bâtiment. C'était plutôt cool, ça. Le fait qu'ils grattent à la porte et tout ça, c'était vraiment sympa. C'est vraiment vraiment sympa. Il y a des... Putain, il y a des loups ici ou pas dans la grotte? Non. Hein. C'est quoi ce truc rouge hein? Mais c'est... Attends, c'est pas une lampe? C'est pas la variante de lampe? Non, t'es sérieux? Moi, ça ressemble à ça, de loin. Ou alors un sac de couchage rouge, mais ça n'existe pas. C'est ça? Oh putain! Oh, c'est énorme! Oh, yo, yo, yo. C'est énorme! Bah, pourquoi elle est là? Donc on peut avoir... Attends, là, il y a un... Donc on peut avoir une lampe? Une variante? En intrus? Ou c'est mon jeu encore qui a bugué? qu'est-ce qu'on fait? On passe par là ou le trou? Je me rappelle plus. Par contre, je vais être honnête. La grotte me dit pas grand-chose. Je me rappelle pas que la grotte était aussi grande. Ah, ça c'est... Par contre, c'est très très moche. Hein, le fait que certaines parois en fait ne reflètent pas la lumière ambiante. Pardon. Et du coup, c'est tout noir. Hein, vous voyez, c'est un peu étrange. Mais ça aussi, ça faisait pas ça avant. C'est depuis une ou deux mises à jour. Il y a ça en fait. Problème. Je crois que c'est depuis les DLC en fait. Qui a ces problèmes à certains endroits. L'aéroport, vous vous rappelez l'aérodrome? C'est pareil. Ça reflète pas. Alors. Ah non, on est passé par là donc on évite. Ah, il y a un sac. Alors attendez, on va faire ça. Ça. Hop. Ah, c'est vide. Ah, mais on l'a déjà fouillé, ça? Je comprends plus rien. Normalement, on a le... ouais, risque du pattern. C'est parce qu'on a... on était dans l'eau. Dépêche. Je fais ça pour éviter, en fait, de mouiller nos bottes et nos chaussettes. Mon dieu, mais on va y arriver un jour à l'endroit ou quoi? C'est quoi ce truc? C'est grand. Après, je regarde la lampe, hein. Mais d'abord, je veux... Ah, ben enfin, putain. Je vais même dormir une heure, quoi. Une heure ou deux heures que je regarde mes calories. Alors, attendez, ouais, ça doit être la sortie, là. Elle est où, la sortie? Elle est là. Faire ça. Juste pour être... Bon, vous voyez, c'est tout noir. Ça reflète pas la lumière, encore une fois. Juste pour être en forme. Ouais, alors fais voir un peu d'abord. Ça. Donc normalement j'ai pas trop touché l'eau. Ouais non, tout va bien.
Est-ce que l'hypothermie ça va partir? Alors, fais voir ce qu'on a récupéré. On a vraiment récupéré la lampe. Lanterne de spéléologie. Elle a été adaptée afin d'améliorer son efficacité. L'idéal pour éclairer les profondeurs sombres où il n'y a pas d'autre lumière. Ça pète. Bon, on n'a rien pour la ravitailler. Ah oui, on m'a dit que si on recyclait les lampes, on récupérait le fuel à l'intérieur. C'est un peu bête de les détruire, de devoir les détruire. C'est pas renouvelable. Mais c'est sympa. Faut voir. Voir si on l'allume. C'est moi ou elle éblouit pas celle-là? Ou c'est pareil? Ça dépend de l'endroit. Non, ouais, je crois que c'est quand il fait sombre en fait que ça éblouit beaucoup. Alors je crois que celle-là, elle est. Alors je pense qu'elle, le poids est pareil. Là, il n'y a que 0,16, elle fait déjà 1,13 kg. Là, il y a 0,64, elle fait un... Je pense que le poids, c'est la même chose. Je vais être franc. Je pense que c'est pareil. Par contre, je crois qu'elle consomme beaucoup moins vite. Je crois que c'est ça. Bon, on va dormir 2 heures déjà. Ok, on est de retour, donc j'ai fait quand même une pause pour aller me documenter sur la lampe parce que j'étais quand même assez curieux. Donc, depuis la 2.17, on peut avoir la lampe en intrus. Donc, ça a été rajouté après. Et par contre, donc, elle est. Elle consomme le fuel à 40% moins que la normale, que la lampe tempête. Par contre, apparemment, ils disent que. Le rayon de la lumière de la lanterne de spéléologue est un peu moins grande que celle de la lampe tempête. Donc elle éclaire un tout petit peu moins. On va dire le radius est plus petit. Bon, c'est pas énorme, énorme comme perte. Mais voilà, on a 40% plus efficace. Donc sympa. Plutôt sympa. Plutôt vraiment sympa. J'ai bien pris le sac de couchage. Donc ouais, je suis content. Attendez. Oui. Cool. On va prendre ça. On a... Bienvenue à BlackRock. Bon, ça va, on a plot. On va faire ça. Ok, parfait. Donc, je crois que la prison, elle est là. Donc, il faudra aller sur la gauche et on va suivre la route. Je crois qu'il faudrait suivre la route en fait. On va faire ça, on va prendre tout ça. Sur la route, comme d'habitude, aérodrome c'est pareil. Hein. La route ça nous dit, il y a des panneaux. Et je crois qu'à un moment ça nous dit pénitencier, un truc comme ça. J'ai les 20. Ouais, on est bon. Donc vraiment. Bon bah c'était rapide. C'était rapide. Donc ils peuvent pas monter. Et là, il y en a beaucoup. Je l'ai touché ou pas? Non, je l'ai pas touché. Bon, on va patienter un peu. On va essayer de les gruger. Ça va être compliqué de leur tirer dessus. Hein. Ça va être un peu compliqué. Pas la tête à chaque fois, fait chier. Pas se mettre au milieu parce que si je fais une erreur et que je clique pour descendre, c'est bon. Ouais, je peux peut-être...
peut peut-être me les faire. Bon, va falloir qu'on tire. Oh là là, descend pas trop. Il essaye d'aller derrière moi. J'aurais pas dû me mettre là. J'aurais vraiment pas dû me mettre là. Est-ce qu'ils vont m'ignorer ou pas? Hop, on remonte. On remonte. Ça va, on n'a pas froid, donc c'est bon. Deux. C'est bon? C'est bon? Vous en avez assez ou pas? Je peux faire ça toute la journée. C'est bon, on se casse. Faut que je récupère trois flèches en tout. Bienvenue à BlackRock. On va pas s'arrêter maintenant. Techniquement, j'ai pas de nourriture supplémentaire, je sais. Mais ce n'est pas grave. Faut que je trouve la route en fait. On va récupérer ça. La route elle doit être là. J'en entends un. Est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce qu'il fait partie d'une autre meute ou pas? Non, ça va. Ça va. La meute d'ici, on l'a déjoué, on peut avancer. On est pour le moment tranquille. Ah, là-bas, on a un truc. Techniquement, on peut faire une pause ici, genre faire du feu, de la viande et tout ça. Parce qu'il y a les carcasses, on a... Je regardais la lumière. Ouais, non, on va peut-être pas pouvoir utiliser la loupe, par contre. Mais on a du bois. On pourrait... Ouais, faire deux steaks vite fait, quoi. Il va faire nuit. Ouais, il va faire nuit. Je sais pas si on va arriver, en fait, avant la tombée de la nuit à la prison. Donc du coup, je suis en train de me demander si on devrait pas faire une pause. Après, techniquement, on n'a pas vraiment besoin d'y aller maintenant. Oh, ça, il le faut pas. Non, on n'a pas besoin de manger maintenant. Parce qu'on a des macettes et tout ça. Donc, ça va, quoi. Ça va. On a même les glands aussi. Donc j'ai envie de dire, c'est pas vraiment la nourriture qui manque. Donc ouais, on peut attendre. Peut-être manger un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les gants, des glands. Ouais, allez. Très bien.
Parce que j'ai pas envie de camper vraiment ici en fait. Là on a un bon temps. J'ai un peu envie d'en profiter en fait. Donc, du coup, Alors faut qu'on trouve la route. Je sais qu'il y a des champignons et tout, mais on fera ça quand on refera le tour en fait. Arrête de dire en fait. Ouais, quand on commencera à faire le tour de Black Rock, d'abord je voudrais en finir avec la prison. Le but principal en premier, prison. On fait tout le pénitencier, l'extérieur, l'intérieur et tout. Puis après on refera le tour de la région tranquillement. On récupérera tout ça. Parce que là on commence à être un peu lourd, c'est parce que j'ai beaucoup de bois sur moi. Ouais. J'ai pas mal de bois, on a un livre et tout, donc ça sert un peu à rien de se... Ah c'est par là. Ça sert un peu à rien de se charger encore plus. Ici on peut chasser. Ferme du cuisinier. J'ai l'impression que ça a changé. Ça. Destructeur de souche, pourquoi pas. Allumette. Et pas amulette. Combien de fois j'ai dit allumette au lieu d'amulette dans Remnant? Et maintenant je dis l'inverse ici. C'est très bien. On a un lit de fortune. Jerrycan. Putain, c'est lourd. Ah, 50 kilos, c'est un peu lourd. Je sais pas exactement où il faut passer. On va prendre un peu de hauteur. Je crois qu'il faut être sur l'autre rive. Faut pas qu'on descende. Il y a un pont ou quoi que ce soit à droite. On va regarder. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un chemin, je me rappelle plus exactement. Le jerrycan, on le garde parce que le jerrycan, ça va être quand même vachement bien. Je vais pouvoir... je crois que la lampe qu'on a, la normale... Oh, il y a Wissi un peu. La lampe normale, on va la déposer à Blackrock. Elle restera à Blackrock. Et on reviendra avec la lampe rouge, du coup. Ouais, vous voyez, il y a quand même pas mal à explorer. Hein. Il y a le bas aussi. Il n'y a pas trop, on va dire, il n'y a pas trop de niveaux, mais il y en a quelques-uns. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors là, on va arriver sur l'autre berge. Là, ça y est, on l'a franchi, donc c'est possible. Ah non, le vent qui sort. C'est possible qu'on tombe sur d'autres groupes de loup gris. On va pas faire les voitures. Je voudrais... Ah, bah c'est bon, on est sur le chemin. Je voudrais juste rentrer, en fait. On va juste rentrer à Black Rock. Mon poids est trop élevé. Je suis fatigué. J'ai pas de nourriture, vraiment. Donc, déjà, on va sécuriser notre lieu. Alors, si je me rappelle bien, il peut même avoir des loups qui sont très proche de l'entrée de la croque et même à l'intérieur aussi. Donc faut faire gaffe. C'est bon, on y est. Honnêtement, on a pris un super chemin là, c'est rapide, concis, précis, c'est pas trop dangereux. Nickel. Ah, je me rappelle de Black Rock maintenant, je me rappelle bien. Je me rappelle que, genre sur là-bas, de ce côté-là, de la droite, il y a un passage aussi. Je crois qu'il y avait un Polaroid, un lieu pour le Polaroid.
Après, on a un passage là, là-bas, quand on descend. Il y a des massettes à récupérer. Blackrock, Penitentiary, c'est ça? J'ai pas eu le temps de bien. Enfin, c'est mal. C'est sale, le panneau. Bon, bref. Donc il y a un chemin là-bas, faut faire tout le tour, on peut faire tout le tour derrière Blackrock, on peut, enfin la prison, on peut faire tout le tour devant aussi, il y a beaucoup de choses, donc on est là pendant un petit moment, c'est cool, pas sympa, voilà, très bien, on est en bonne condition. On peut même voir l'intérieur. Alors, il y a plusieurs endroits où vous pouvez plus ou moins camper. Ici, ça reste un endroit sympa pour camper. Normalement, il y a des loups, des fois. Ici, il faut faire gaffe. Ouais, on a coupé comme ça. Hop, directement là. Parfait. Je crois que la première fois que j'étais venu, c'était par le bas. Je crois que c'était par, la vallée charmante. Je sais plus trop. Ou alors je m'étais perdu, peut-être. Je sais pas. Il y a ça. Là, il n'y a rien. Alors cet endroit est pas mal, on pourrait camper un peu ici, mais je veux aller à un autre endroit. Ce qui est un peu mieux, c'est là-bas. Il faut faire gaffe qu'il y a un loup qui revient de temps en temps à l'intérieur de l'enceinte. Là je vois rien qui bouge, mais ça m'inquiète du coup. Alors il y a beaucoup de portes comme ça où on peut pas interagir. Honnêtement, je trouve ça un peu bête. Ils auraient dû faire en sorte... ou que la porte soit cassée ou quelque chose comme ça. C'est un peu bête. Est-ce qu'on peut... Je fais pas trop confiance là. Ah oui, il nous faut un code. Putain, j'avais complètement zappé ça. Attends, je viens d'entendre un loup aboyer. Ouais. Ah, ils sont de l'autre côté là-bas. Là, il y a la pharmacie. Enfin, le médical. Il nous faut un code. Retrouve-moi dans la mine, va à l'est et grimpe la colline en regardant la montagne. J'ai un plan pour la porte. Faut un code pour ouvrir. Alors, normalement, ils sont là, les loups aussi. Donc, il y a deux portes, normalement. On va aller les fermer. Voilà, très bien. Il est en train de tout tuer l'autre. Donc moi j'aimais bien camper ici, c'est à l'extérieur en plus, c'est sympa, mais il fait froid quand même. Il fait quand même froid, donc c'est un peu le problème. On n'est pas en intérieur. Après, si on veut être en intérieur, il y a ici, si je me rappelle bien. Ici, c'est pas mal. Ouais, ici, c'est pas mal. Ici, je me mettais souvent à l'abri, en fait. Ouais, je mettais toutes mes peaux et tout ça, je me rappelle. Donc, le tunnel à vapeur, bâtiment de prison. Le tunnel est très grand. Le tunnel est très grand.
Il y a beaucoup de chemins. Et après, on peut fouiller le reste plus tard. Faut faire attention, les loups peuvent passer les portes. Je crois que j'en avais tué un. Ouais, parce que lui, il essaye de passer en fait. Je crois que j'en avais tué un à travers le grillage, mais je peux pas confirmer, je me rappelle plus trop. Genre, des fois, il met sa tête tellement proche que ça passait en fait. Mais ouais, lui, il est embêtant par exemple. Alors, on va un peu déposer ce qu'on a. Après, ce qui est bien de vivre là, c'est que vous aurez jamais le problème de l'enfermement. Tout le temps à l'extérieur. Nickel. Mais ouais, vous voyez, moi j'ai froid là. Ça, c'est un peu embêtant. Ah, ce qu'on peut faire, c'est chasser le loup, peut-être. Parce que on n'a pas de nourriture. Ok, ça c'est bon. Très bien. Il m'embête d'essayer de rentrer à chaque fois, je me dis, ah, il y a peut-être un truc qui arrive. 47, on enlève ça, on enlève ça. Ah oui! Ouais, du coup, ça il faut le mettre. Il fait froid. Hein. Pour ça que voilà, je mettais des choses ici pour qu'elles sèchent. Alors, on va déposer les choses. Donc, ça c'est bien, on a déjà 5 bois, c'est cool. On a une peau de serre. Pourquoi on a une peau de serre? Oh ouais, j'ai pas fait attention. On n'a pas pris de cerf, si. Ah si, si, si. Pour mon Timberwolf. Ouais. Ok, on va chasser avant qu'on ait trop froid. Attends, c'est sur nous qui la boit ou... Okay. Et combien de lapins tu vas bouffer, mec? Sans déconner, quoi. T'es où? T'es là. Quoi ces bruits? Oh, il y en a un là. Ok, moins un. Oh la vache! Ok, c'est bon. On prend ça. C'est parti. Il y en a encore un au fond. On va aller se réchauffer parce que là sinon ça va être la galère. Eh ben. Moi qui avais besoin de nourriture, ça va, non? N'importe quoi. On a tué combien? 3 ou 4? Ouais, ouais, je sais.
Du coup, on va faire voir un peu. Pourquoi c'est 21 minutes? Non, mais il y a eu un problème hein, avec le... Ah non, c'était les boyaux, pardon. Ça nous réchauffera. Okay, très bien. Alors, fais voir. Ouais, parce que les boyaux, on n'en a pas. Donc, ça, ils nous en faut. Très bien. Peau de lapin. Ok. On va devoir faire un feu. On est chaud? Ouais, on est chaud. Ouais, on va devoir faire un feu. Pas masse de... On a pas vraiment masse de bois, mais ça devrait... On va faire genre quelques heures juste pour... Bon, l'épisode risque d'être un tout petit peu plus long que d'habitude, mais c'est juste pour qu'on soit bien en fait. Okay, 1 heure, je vais te poser ça, comme ça on fait directement ça. On a... J'ai pas d'autres récipients. Très bien, on va... Ah tiens, 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 j'ai ça. The sun is setting. Okay, très bien. It's gonna get a lot colder soon. 15 minutes. Lapin cuit, mange. On prend ça. Ça nous réchauffera. Ok, très bien. Ouais, on n'a pas d'autres récipients pour faire de l'eau, ça c'est bête. Ah, déjà? On vient d'arriver, aurore boréale? Oh putain. C'est un peu violent ici, non? Alors, je voudrais pas me faire surprendre. Ça va. Bon, bah niveau plume, ça va. Je pense qu'on est bien. Est-ce qu'on prend plus de viande? Du bois en tout cas. C'est bête, on n'a pas le code. Parce qu'il faut une aurore boréale pour rentrer. Alors, bouillie dans 20 minutes. Ça marche. On en profite tant qu'on a le buff. Le bœuf de chaleur. Parfait. Il nous faudrait les boyaux aussi. Il nous faudrait vraiment les boyaux. Enfin, il nous faudrait tout, techniquement il nous faudrait tout. Hein. Encore une fois. Attends, c'est où ça? Il est juste là. Je savais bien qu'il y en avait un à l'intérieur.
Je pense qu'il m'a flairé pendant que je faisais la transition. Avec la nourriture. Attends, je peux peut-être me mettre là comme ça. Merde. Voir la chaleur. Ouais, 6. Ouais, on peut techniquement se mettre à côté du feu et se mettre dans la voiture. Je crois que c'est une bonne chose à faire. Ok, notre nouvelle lampe est pleine. Très bien. Je sais pas s'il peut passer techniquement. Ça c'est le projecteur de là. Je sais pas s'il peut passer parce qu'il y a la lumière en fait. S'il faut, il peut pas passer ça. Ça serait fort possible en fait qu'il puisse pas. Donc bah, c'est une bonne chose. Allez, on va devoir s'arrêter là, hein, parce que sinon l'épisode va être vraiment trop long. Hein, parce que là, je suis parti un peu en mode farm. C'était pas vraiment prévu. Faut qu'on aille récupérer plus de trucs. Bon, ça durera le temps que ça durera. Hein. Après, on va dormir. Juste avoir quelques boyaux qui sèchent directement. Attends. Après dans 12 minutes. C'est pas très rassurant hein, d'avoir un truc qui gueule comme ça hein, derrière. J'avoue que ça donne pas vraiment envie. Hein. Ça fout un tout petit peu les boules, mais bon. Ouais, évidemment, les câbles, la galère. Ouais, ici c'est dangereux de descendre la nuit. Honnêtement, ne pas le faire. On va devoir dormir ici, hein, je crois, à l'intérieur. On entend les machines qui s'allument. Ici, on peut dormir aussi. Je crois que c'est considéré comme en intérieur. Enfin, il fait chaud. Donc, c'est pas mal. Enfin, on peut dormir, je pense, dans la voiture. Je suis pas certain, en fait, que si c'est dangereux ou pas. J'en sais rien. Et dans 2 minutes. Bien. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, nickel. Ouais, le plus safe quand même, c'est de dormir en intérieur. Hein, parce que... À moins que vous ayez un... Non, ouais, non, il a peur. À moins que vous ayez un feu qui dure très longtemps. Mais bon, enfin, vous pouvez faire la... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je le testerai pas, quand même. Genre dormir 10 heures dans la voiture avec le sac de couchage. Techniquement, c'est pas mal hein, comme défense. Hein. Vous êtes protégé du vent grâce à la voiture. Ah, je sais pas regarder si le feu il allait s'éteindre ou pas.
ça c'est un peu con ça. Vous êtes protégé du vent avec la voiture, vous avez un peu la chaleur de la voiture en plus, et après vous avez le sac de couchage. Ouais, ça peut tenir quoi, 15 degrés? Je dirais. Là, on a quoi? On est à 7. Si on fait ça, on est à combien? 5, parce qu'on est trop loin du feu. Je vais voir si on fait ça. Je vais pas le faire, hein, mais c'est juste plus 11. On ressent 5. Ouais. La marge est pas très grande. À la limite, le mieux, c'est de mettre le sac à côté du feu. Ouais. Je sais pas. Je le tenterai pas, personnellement. Je trouve que la marge est trop serrée. Entre la fumée qu'elle fait, la lumière bizarre, je vois rien du tout. Ça, il faudra le lire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. 45 minutes, 48. Ouais, on est bon. Allez, on va dormir. On va dormir. C'est bon. On a fait du très bon boulot. Je sais pas s'il peut avoir des objets ici, mais on sait jamais. Ouais, on a fait du super boulot, ça y est, on a le camp que je prends la plupart du temps ici, hein, c'est là que je me mets. Par contre, ça va être un peu relou. Attends. Ça. Fait chier cette chaise là. Oh là là. Je sais qu'on peut, je l'ai déjà fait. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, on est bon. On est bon. Ben voilà, nous sommes arrivés à Black Rock. Ça s'est plus ou moins bien passé. Honnêtement, je suis assez fier de moi. Très content. C'est très très bien passé. On a récupéré pas mal de nourriture. On n'a pas tapé trop dans les réserves. On a fait juste un gland et deux massettes, je crois. Nos vêtements, ça va. On n'a pas trop perdu de vie. On a récupéré donc nouvelle lanterne. Donc ça c'est cool, lanterne rouge, sympa. Très très content de ça. Un jerrycan, donc on a beaucoup de fuel. Celle-là, on va l'utiliser maintenant, parce qu'elle consomme beaucoup moins, donc voilà. On a du matos. Faudrait qu'on trouve du bois pour faire un arc, au moins. Là, on a on en a 5 pour faire des flèches. On est d'accord, hein, c'est flèches. De flèches avec des jeunes boulots, oui c'est bien ça. Donc il nous faudrait juste un bois pour faire un arc, et là on est tranquille, il n'y a pas de problème, on sera en sécurité et on peut rester un petit moment, parce que là entre les flèches c'est bon.
On n'a rien perdu en plus, donc c'est cool. Allez. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Attendez. 10h, c'est beaucoup 10h. Non, si 10h, c'est... Ciao.